parti pour le premier round de ce main event. Oh là là, grande pression de la part de Alice, qui a décidé de l'amener au sol. Ah mais en fait c'est ce qu'il aime, c'est ce qu'il disait en interview, il aime brawler, c'est-à-dire rentrer dedans comme un char d'assaut, et là il veut l'amener au sol, il ne veut clairement pas boxer avec lui, il n'est pas fou Alic. Ah non, il n'est pas fou. Et la super défense de Jérôme Le Banner. À gauche, à l'intérieur. Alic qui combat à l'instant, il n'a pas de game plan à part le fait de le mettre au sol. Moi je suis... Il a tout misé là-dessus Alic. Là je vais être... je vais pas être très... très partial. Mais il avait annoncé son game plan, il voulait venir le coller, faire du clinch et l'amener au sol, il l'avait dit. Ah ouais, mais attention hein, parce que là Alic il gaspille beaucoup d'énergie. Et c'est ça. Si Jérôme Le Banner il se relève et que ça strike, je sais pas s'il a l'énergie pour poursuivre. Hein. Surtout chez les poids lourds. Allez allez allez, on a la jambe. Chez les poids lourds. Oh, aïe. Oh, il y a une blessure. Il y a une grosse blessure. Ah, il s'est fait mal, mais il serre les dents. Il serre les dents, Jérôme. Il y a une grosse grimace là, de Jérôme Le Banner. Il y a une super grimace de la part de Jérôme, je crois que c'est la cheville, genou droit. Mais regardez. Allez, allez, il faut continuer. Il faut continuer et il continue. C'est parti très très fort. Et c'est bien ce qu'il fait. Et oh, une tentative de comme le placard. Ouais. Oh, il prend la montée. Il prend la montée, Jérôme Le Banner. Jérôme Le Banner sur le grand pont. Jérôme Le Banner qui va finir ce combat. Alice qui qu'est-ce qu'il a fait Alic. Incroyable, il a tapé Alic. Il a tapé, on l'a pas vu. Il va pas l'étrangler. Fin du combat. Il a abandonné Alic. Il a abandonné. Victoire de Jérôme Le Banner et en plus il s'est blessé.